Voilà, vous l'appelez le Rimouski Initiative, M. Catalibas. Monsieur le Président, hier, au comité des finances, nous avons demandé aux fonctionnaires du ministère combien la mise en œuvre de l'entente de Canada-États-Unis sur les comptes étrangers pourrait coûter aux Canadiens. Ils savent que la facture va s'élever à plusieurs centaines de millions, mais sans savoir exactement combien. Ce qu'on sait toutefois, Monsieur le Président, c'est que l'entente aura d'énormes conséquences sur la vie privée de millions de Canadiens. Et les conservateurs veulent imposer son adoption le plus rapidement possible. Alors, pourquoi est-ce que ce gouvernement est si pressé de fournir les renseignements personnels de Canadiens à l'Agence du revenu américaine? Mr. Speaker, without an agreement in place, our financial institutions would still have to comply with FATCA. This would have required banks to report information directly to the IRS, deny basic banking services to clients. Furthermore, both banks and their clients would have had to have been subject to a 30% withholding tax. With an agreement in place, this won't happen, Mr. Speaker.